sanctuaire. Il s'agit d'un acronyme qui décline les stratégies utiles pour optimiser notre système immunitaire. À chaque lettre, un spécialiste se fera un plaisir de venir partager avec nous des informations et des astuces pour optimiser notre santé. Alors, relevez le défi, mettez vos chaussures de sport et entrez avec moi dans cet espace protégé, le sanctuaire. Bienvenue à cet épisode de la série Projet Sanctuaire. Je m'appelle Fanélie Saint-Germain et aujourd'hui je reçois Sonia Thésor. Bonjour Sonia. Bonjour Fanélie. Nous sommes ravis de vous recevoir cet après-midi. Merci, moi de même. Aujourd'hui, nous allons parler de la lettre T. T comme très grande gratitude. Oh, je vous entends déjà me dire. Il y a trois lettres, trois mots. Oui, en somme, ce sont trois mots mais qui valent leur pesant d'or. Mais lorsque nous étions petits, on nous a appris à dire merci lorsque nous recevions quelque chose. Mais la gratitude, c'est plus qu'être politiquement correct. Et nous allons le voir aujourd'hui avec Sonia Thésor. Alors Sonia, première question, oui. Tout d'abord, gratitude en anglais, ça se dit comment? Eh bien, ça se dit « thankfulness ». Thankfulness. Avec un T. Avec un T. D'où le T de ma très grande gratitude. Exactement. Ok. On est pile poil dans le sujet. En fait, j'aime beaucoup l'idée de prendre un terme anglais parce que lorsqu'on le décortique, eh bien, on peut se rendre compte toute la puissance et toute la profondeur en fait de ce simple mot thankfulness. Ness, c'est avec. Full, rempli. Thanks, remerciement. Donc en fait, thankfulness, c'est être dans un état d'intense ou d'être rempli d'un sentiment de reconnaissance, d'où le terme gratitude. Super, je me sens déjà mieux. Alors, qu'est-ce que la gratitude? Oh bon, on va faire simple, j'aime bien prendre le dictionnaire, hein, c'est toujours plus simple, au moins on sait qu'on a bien défini le mot. Le dictionnaire Larousse nous dit, et je vais lire pour ne pas me tromper, que la gratitude, c'est une reconnaissance pour un service, pour un bienfait reçu. Un sentiment affectueux envers un bienfaiteur. Les synonymes de ce terme-là seraient la reconnaissance, l'affection, le respect. Et puis du coup, quand vous m'avez dit qu'il fallait préparer quelque chose pour réfléchir un petit peu autour de la gratitude, je me suis dit, mais qu'en pensent les grands auteurs sur la gratitude, de ce mot de gratitude? Et j'ai trouvé trois citations particulièrement intéressantes que je vais vous donner. Celle d'Albert Schweitzer qui dit « L'expression de la gratitude a trois stations ». Et vous allez le voir à quel point c'est profond ce qu'il dit. Premièrement, l'amour dans le cœur. Deuxièmement, la louange sur la langue. Et la récompense par l'action. J'étais un petit peu plus loin et je me suis arrêtée sur une citation de William Shakespeare qui disait « Ô Seigneur, toi qui me prêtes la vie, prête-moi aussi un cœur rempli de gratitude. » Allez, pour finir, une petite troisième, cette fois-ci d'une femme, tant qu'à faire. Donc, Elizabeth Goodge qui dit « La gratitude va de pair avec l'humilité, comme la santé va de pair avec l'équilibre. » La gratitude va de pair avec l'humilité. Waouh, c'est beau. Exact. Alors, maintenant, nous sommes dans une série sur la santé. Et oui. Quel est l'impact de la gratitude sur notre santé? Quel est l'impact de la gratitude sur notre santé? Eh bien, moi, je considère que la gratitude est un sentiment positif. Et lorsque l'on cultive des sentiments positifs, c'est censé avoir des effets positifs sur nous, en tant qu'être humain, mais aussi sur tous ceux qui nous entourent. Notre santé mentale est influencée, en fait, notre santé mentale va influencer notre corps. Puisqu'en fait, on est un être humain qui avons plusieurs dimensions. Et la santé est aussi bien santé physique, mentale ou encore spirituelle. D'accord? Et donc, on voit, si on essaie de fonctionner à contrario, un état d'esprit négatif entraîne des pensées négatives.
On est d'accord. Des pensées négatives vont se traduire physiologiquement par des dysfonctionnements. Et forcément, derrière, on peut avoir des pathologies. Okay. Je vais prendre un exemple avant d'aller sur la gratitude. Je vais prendre l'amertume. L'amertume, c'est pas très positif. C'est quoi l'amertume ? Eh ben, l'amertume, c'est l'association entre deux émotions. Premièrement, la tristesse et ensuite la rancœur. Les deux, quand on les mêle, donnent l'amertume. Pourquoi on peut être rempli d'amertume ? On peut être rempli d'amertume parce qu'une situation nous a fait mal. On a été injuste envers nous, donc il y a de la colère qui se développe. Ça peut être aussi une situation que nous avons subi, une très grosse humiliation. Et donc on a de l'amertume envers la personne qui nous a fait subir cette humiliation. Ça peut être une offense quelconque, ou encore c'est simplement qu'on est terriblement déçu par quelqu'un qui nous aurait trahi, par exemple. Et donc là, on cultive de l'amertume. On a de la colère, on a de la rancœur, on a de la haine même. Et chemin faisant, comment agissent les personnes qui sont amères, Fanélie ? Elles voient tout en noir. Elles voient tout en noir. Quand on les voit, elles sont des fois même méchantes. On n'aime pas rester avec elles. Ce sont des personnes qui disent des paroles blessantes aussi parfois et qui ont tendance à rejeter l'autre, à les mettre un peu loin d'elles. Elles sont enclines souvent à avoir des phases de découragement aussi malgré tout cela et à avoir de la dépression. Et comme nous sommes chrétiens, je me suis dit, mais ce sentiment-là, en quoi devons-nous le cultiver s'il n'est pas bon ? Qui plus est, d'un point de vue spirituel, l'amertume, pour moi, empêche que la grâce de Dieu se déverse sur nous. Elle empêche que les bénédictions de Dieu nous atteignent. Je vais prendre un exemple tout simple. Je vois la pluie arriver. Ça arrive souvent ici que malgré qu'il y ait de la pluie, il y a un beau soleil. Mm-hmm. Je vois les gouttes arriver. Et au lieu de me dire, oh, ça va me faire du bien parce qu'avec ce soleil, ça va me rafraîchir, ça va me revigorer, me revivifier, cette petite pluie. Et bien, qu'est-ce qu'on fait ? On met son kawé. Le kawé, on imagine que c'est ça, en fait, l'amertume. Donc, au lieu de sentir les gouttes de pluie, de bienfaits, de bénédictions sur nous, sur notre peau, pour nous régénérer, pour nous laver, qu'est-ce qui se passe ? Elle tombe sur notre kawé, sur cette matière étanche, ça glisse et ça tombe au sol. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On passe à côté de la bénédiction divine. Et il y a un verset de la Bible. Je pense que c'est à celui-là que je pensais. Il y a un verset de la Bible qui le dit, et j'ai trouvé ça puissant. C'est Paul qui le dit dans l'Épître aux Hébreux, Hébreux 12, verset 15, qui dit, je vais le lire, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, comme une maladie. » Tu vois ? Enfin, vous voyez ? Donc, si ce que je décris est vrai pour le sentiment négatif, ben, ça l'est aussi pour un sentiment positif. Alors, on va faire maintenant le même contraire. Raisonnement pour la gratitude. Je cultive une pensée positive qui est la gratitude. Une pensée positive et puissante qui est le sentiment de gratitude. Donc, ce chemin faisant, je vais développer des pensées positives. Mon corps va se sentir bien parce que ma tête se sent bien. Je vais me sentir dans un bien-être, dans un bonheur, dans une jouissance, une réjouissance. Et j'aurai de l'allégresse. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Quand on est heureux, on a envie de le partager. On a envie d'en parler. On a envie d'être en contact avec l'autre. Ça me fait du bien. Et bien ça, c'est prouvé scientifiquement que c'est vrai, ça marche. Les études réalisées par le professeur Robert Emmons montrent en fait que, je vais le lire, les personnes qui expriment de la gratitude sont plus souvent enthousiastes. Elles sont plus optimistes sur l'avenir. Elles prennent davantage soin d'elles et de leur environnement. Et la gratitude abaisse en fait le niveau de stress. Comment on est quand on est stressé, Fanélie ? On n'est pas bien, on a
On se dit que ça, on a peur d'un truc qui va nous faire mal. On a peur que ça n'a pas marché. Exactement. On anticipe même voilà, dans le mauvais sens. Exactement, la problématique. On a même des troubles du sommeil parce qu'il y a un truc qui nous angoisse. On tourne dans notre lit. Qu'est-ce qu'on a encore ? Des fois, on a des maux de tête. À force de penser, de repenser à quelque chose qui nous angoisse, on commence à avoir des maux de tête. Et bien là, la gratitude, ça va produire totalement l'effet inverse. C'est ça qui est génial, en fait, dans la gratitude. Ça produit en nous un état de bien-être, et donc ça baisse notre pression artérielle, on a moins de maux de tête, on a un meilleur sommeil, on se sent mieux, on est plus heureux et on le diffuse. Et on est apaisé. Exactement ça. Donc en fait, moi je trouve ça extraordinaire qu'une émotion peut avoir autant, un sentiment, celui de la gratitude, peut avoir autant d'impact sur nous, sur notre santé. Non, mais c'est merveilleux. Ouais. Et donc, on a parlé de la santé, ouais. Mais nous sommes en l'ère Covid. Ah oui. Cette série est basée sur le système immunitaire particulièrement. Mm-hmm. Et le système immunitaire, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la gratitude? Qu'est-ce que ça a comme effet sur le système immunitaire? Eh bien, c'est là où la chose devient encore plus merveilleuse et que je me rends compte que l'organisme que Dieu a créé est extraordinaire. En fait, quand on éprouve de la gratitude et de la reconnaissance, notre cerveau va produire, alors pas que notre cerveau, il y a aussi les cellules du système immunitaire qui ne sont pas toutes dans le cerveau, ça peut être aussi situé dans l'intestin, et c'est le cas de la sérotonine. La sérotonine, en fait, c'est un neurotransmetteur qui est produit par nous-mêmes, par notre corps, et qui permet, en fait, d'avoir, c'est une sorte d'hormone du bien-être. En fait, elle va activer de façon préférentielle un cycle du sommeil bienfaiteur. Ça va diminuer la douleur, réduire l'anxiété, avoir des comportements alimentaires et sexuels bien moins troubles, d'accord ? Et surtout, ça va renforcer notre système immunitaire parce que ça va nous aider à combattre contre les inflammations. Juste la sérotonine. Alors c'est quand même assez extraordinaire. Et il n'y a pas que la sérotonine qui est un neurotransmetteur intéressant, il y a aussi la dopamine. Et la dopamine, alors elle a un effet un peu plus puissant encore que la sérotonine, c'est parce qu'en fait, quand on s'exerce à se dire à son cerveau, à son corps, à son cortex, écoute, libère-moi ce neurotransmetteur. Eh bien, en fait, ça va. C'est le principe d'avoir de comment dire. J'aimerais bien l'exprimer correctement. Ça commande le système de gratification du cerveau. C'est-à-dire que le cerveau va en vouloir encore et encore plus. C'est-à-dire que dans une situation où j'ai réussi un examen, j'ai réussi à présenter un dossier et j'ai eu le client, j'ai fait quelque chose de positif, mon cerveau, naturellement, parce que je suis en joie, va produire de la dopamine. Donc en fait, j'ai atteint mon objectif et du coup, je suis contente. Exactement. Et en étant contente, mon corps produit ce neurotransmetteur qui dit à mes neurones, écoute, va j'en dire... J'en veux plus. Exactement. Change tout ça en plus. Fais plaisir aux organes qui, eux, se sentent... Waouh, on est dans un environnement qui nous plaît, en fait. Voilà. Et c'est en ça que la gratitude a quelque chose de positif. Une pensée positive entraîne une sécrétion de quelque chose de positif et entraîne sur mes organes qui sont constitués de cellules, de molécules, quelque chose qui est aussi positif, une énergie positive que je peux utiliser à mon bénéfice et au bénéfice des autres qui m'entourent. C'est super, c'est génial. Alors, mais ok, la gratitude c'est bon, mais comment je pratique la gratitude au quotidien? Alors, c'est une bonne question. En fait, la gratitude c'est comme un muscle, comme s'il existe un muscle de la gratitude. Et donc c'est quelque chose que je dois entraîner pour qu'il soit suffisamment fort. Et donc, plus nous faisons l'effort, et je dis bien plus nous faisons l'effort, de ressentir de la gratitude, de concentrer notre esprit sur des actes de reconnaissance, plus notre cerveau s'entraîne à libérer cette dopamine et cette sérotonine, mais aussi à nous faire du bien, à se faire du bien. Dans la gratitude, il y a 4 paramètres. Je vais vous les dire. Ces 4 paramètres sont la fréquence de la gratitude, l'intensité de la gratitude, l'étendue
de cette gratitude et enfin la densité de la gratitude. Alors, je vais commencer simplement par la fréquence de la gratitude. En fait, je peux décider volontairement que pendant un certain temps, je me force, ce sera ça au début, je me force à avoir de la gratitude au moins une fois par jour. Et je vais décider que je le fais sur 3 semaines, 21 jours consécutifs. Alors, ce n'est pas un chiffre au hasard. Pourquoi 21 jours ? Chaque fois qu'il faut prendre une bonne résolution, il faut 21 jours, je crois. Exactement. Pour que ça s'ancre dans notre cerveau comme étant une bonne habitude, comme étant une habitude. D'accord ? Donc, du coup, 21 jours, c'est bien. 21 jours consécutifs, tous les soirs, avant d'aller se coucher, à dire, je me remémore ma journée et j'essaye de me focaliser sur ce qui a provoqué en moi de la gratitude, de la reconnaissance, quelque chose de positif. Ça, c'est de la fréquence. Une fois par jour. Au bout de 21 jours, je me dis, et si j'essayais ça maintenant le matin ? Donc, je suis passée en fréquence à deux fois par jour. Et puis, au bout de 42 jours, je peux dire, et si j'essayais au cours de la journée ? Donc là, j'augmente encore la fréquence, mais j'augmente du coup ma concentration, ma volonté d'être en gratitude. Donc, la fréquence. Deuxièmement, l'intensité. Parfois, il y a des petites choses anodines qui nous arrivent au cours de la journée, un petit truc tout petit, une odeur qui nous rappelle notre grand-mère, la confiture qu'elle pouvait faire. Une parole que quelqu'un a dite et qu'on se dit, oh, tiens, ça, c'est intelligent. Ça, ça me fait du bien. Une personne où je suis derrière mon volant et qui me dit au niveau d'un rond-point, avec un grand sourire, mais allez-y, madame. Ce qui n'arrive pas souvent. Mais au lieu de se dire, ah, mon chat, c'est normal. Hein, c'est de se dire, ah, ça, c'était bien aujourd'hui. Merci. Merci, monsieur. Ça, c'est avoir de augmenter l'intensité en focalisant notre attention sur des choses qui pourraient paraître normalement anodines. Ensuite, nous avons parlé de l'étendue. C'est-à-dire qu'au lieu de manifester de la gratitude uniquement envers les gens que nous aimons, les gens que nous côtoyons au quotidien, notre mari, notre enfant, ça, c'est normal d'avoir de la gratitude envers eux. On pourrait se dire, j'étends cette gratitude à mes collègues. J'étends cette gratitude aux frères et sœurs d'église. J'étends cette gratitude à mes amis, à un inconnu que je rencontre comme ça. Et du coup, ça renforce ma gratitude parce qu'elle est plus étendue. Elle a plus de personnes qui sont considérées comme potentiellement des personnes envers qui je peux être reconnaissante. Et enfin, la dernière dimension sur laquelle je peux agir, c'est la densité. Alors là, la densité, c'est le summum de la gratitude. C'est quand on arrive au sentiment de haute gratitude. C'est-à-dire celle qui cumule la fréquence, l'intensité, qui cumule aussi l'étendue. On arrive dans la densité. C'est-à-dire qu'on est tellement en gratitude que des fois, ça nous en met les larmes aux yeux, tellement qu'on est heureux. D'accord. Et surtout, encore plus profondément que cela, on éprouve de la gratitude même lorsqu'il y a quelque chose de compliqué dans notre vie, lorsqu'il y a une épreuve. On arrive à ce moment-là à se dire, eh bien, même à travers l'épreuve, en ce moment, je suis heureux, j'éprouve de la gratitude face à cette situation difficile qui va pouvoir me faire voir qui je suis, la valeur positive de ce que je suis. D'accord, c'est ça l'épreuve. Montrer la valeur positive de quelque chose. On éprouve l'or par le feu. D'accord. C'est bon. Donc l'épreuve, c'est montrer la valeur positive de ce que nous sommes. C'est différent de la tentation. La tentation, c'est pousser l'autre à faire quelque chose qui serait mal. Mm-hmm. Alors que l'épreuve, c'est essayer par un moyen ou un autre de montrer la valeur positive de la chose. C'est ça l'épreuve. Et ça me fait penser encore une fois à Paul qui disait dans 2 Corinthiens 12, verset 10, et des fois on se dit, mais Paul il est maso, il va pas bien. Pourquoi il dit des trucs comme ça ? Mais quand on analyse ça sous l'angle de la gratitude, on se rend compte que quand il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions. Aujourd'hui j'ai pris un coup de fouet, je suis emprisonnier, on m'a craché au visage, dans les détresses. Mais tout cela, j'ai de la gratitude pour tout cela parce qu'en fait, je sais que je le vis pour Christ. Et j'ai, selon la définition que j'ai dite tout à l'heure qui vient du Larousse, de la gratitude, de la reconnaissance envers cette personne qui a donné sa vie pour moi et qui, quand moi je suis faible, eh bien lui alors c'est là qu'il est fort. Et j'ai de la gratitude envers lui. Ok. Ben, du coup, d'après ce que vous venez de dire, il y a
un différent niveau de gratitude. Il y a différentes dimensions dans la gratitude, mais il y a aussi, effectivement, Fanélie, différents niveaux dans la gratitude. Quels sont ces niveaux ? Moi, j'en ai identifié 4 au cours de mes lectures et au cours de mon expérience personnelle aussi. Le premier niveau, c'est le niveau 0, niveau 1, niveau basique. C'est l'ingratitude, ingratitude. Je n'ai pas de gratitude. Pourquoi je n'ai pas de gratitude ? Parce qu'en fait, ce qui est là, ça m'est dû. C'est normal que je l'ai. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir de la gratitude. Je considère que c'est normal, ça m'est dû. Niveau 0, niveau 1. Voilà. Le deuxième niveau, il est un peu différent. C'est l'émotion de gratitude. L'émotion de gratitude, l'émotion, c'est quelque chose qui est assez fugace, volatile. Ça vient, ça part. C'est quelque chose sur lequel, si je ne m'oblige pas à m'attarder dessus, ça va partir et je ne vais pas y porter attention. Émotion de gratitude. Mais si je veux arriver au niveau 3, il faut que j'apprenne à faire attention à ces actes dans la vie qui peuvent, chez moi, entraîner de la gratitude et à dire, à manifester ma gratitude par un regard, par un sourire, par un écrit, par une visite, par un contact avec cette chose envers qui je suis en gratitude ou cette personne envers qui je suis en gratitude. D'accord ? Donc, là, on est au niveau 3 et là, c'est l'humeur gratitude. Avoir une humeur de gratitude. C'est un peu plus long, un peu plus établi, un peu plus intense dans ma vie. Et si je vais encore à un autre niveau, ce niveau où j'aime tellement ça, ressentir de la gratitude, parce que je libère de la sérotonine et de la dopamine et que j'en suis accro, parce que ça me met dans un état de bien-être, alors j'en ai envie, encore envie d'éprouver de la gratitude envers Dieu pour ce qu'il fait pour moi, envers mon mari pour l'aide qu'il m'apporte, envers mes enfants pour les « je t'aime maman », etc., etc. Et bien je cultive ça et là j'arrive à avoir un caractère de gratitude. C'est le quatrième niveau de la gratitude. Je l'ai tellement en moi, c'est devenu tellement moi que je suis tout le temps en gratitude. Au lieu d'avoir un caractère d'amertume, un caractère colérique, j'ai un caractère de gratitude et je suis heureux et je donne, alors je me fais plaisir mais je donne à l'autre parce que c'est ce qu'on a dit, la gratitude c'est de la joie, c'est de l'allégresse, donc on va vers l'autre, d'accord ? Et donc du coup, comme je suis en gratitude, mes relations sociales sont bien plus apaisées, sont bien plus sereines, sont bien plus productives. Le bonheur attire le bonheur. La tristesse, on la fuit. Alors, ok. Maintenant, comment vous pratiquez ça ? Est-ce que vous, personnellement, vous êtes dans la gratitude et quels sont vos secrets pour entrer en gratitude ? Je ne sais pas si on rentre en gratitude comme on rentre en religion. Mais... Excellent, j'aime bien. Eh bien, oui. Alors ça s'est pas fait, ça fait pas des années hein, que je pratique ça. Ça s'est venu un peu plus sur le tard, mais en fait, je me rends compte que c'est un acte qui est totalement volontaire. Et donc en fait, ce que j'ai décidé depuis quelques années, c'est de m'entraîner à être la plus consciente que possible de ce qui se passe en moi, d'être à l'écoute de moi, de ce que je ressens, pourquoi je le ressens, et au lieu de le fuir. Au lieu de poucher mes oreilles et mes yeux, je me dis, eh ben, tu sais quoi, Sonia, sois un petit peu courageuse, sois un petit peu honnête, fais face à ça. Pourquoi tu ressens ça ? Qu'est-ce qui fait que tu ressens ça ? Sois honnête envers toi-même. Et je me suis rendu compte que le principe du laïponisek, ou v'là comme je te pousse, ça n'allait pas avec moi. Parce qu'à un moment, ça me revenait en boomerang. Et donc, en fait, j'ai décidé d'être heureuse, parce que j'en avais marre d'être malheureuse. J'ai décidé d'être moins en colère. J'ai décidé d'arriver à un niveau où je suis en paix et je suis sereine. Parce que être en colère, ça me fatiguait, ça m'épuisait. Et en plus, c'était même pas bon pour ma santé. Ça avait des effets négatifs sur ma santé. Et j'ai décidé ça, en particulier depuis l'année dernière, quand je suis tombée gravement malade et que je suis passée à 2 doigts de la mort après tout ce qui m'est arrivé. Et en sortant de l'hôpital, non, j'étais encore à l'hôpital quand j'ai décidé ça, je me suis dit, mon Dieu, tu es merveilleux et je te remercie. Je te remercie d'avoir entendu mes prières, mes cris, mes supplications. Merci, 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 merci. Et je me suis dit, mais il n'y a pas que toi, Seigneur. Tu as suscité chez d'autres personnes, le corps médical, mes amis, ma famille, les membres d'église, l'envie de prier pour moi.
et je leur suis reconnaissant. Et depuis ce jour-là, j'ai décidé d'être heureuse, d'être moins en colère et de faire quelque chose de façon concrète pour dire à l'autre « je te remercie ». Et puis ça fait du bien à l'autre d'entendre ce merci. Ça aide dans les relations avec l'autre. Donc, la gratitude aujourd'hui touche chacune de mes pensées. Ça touche aussi mes organes, parce que le fait d'être en gratitude, je me sens mieux, je me sens bien. Donc du coup, je sens qu'il y a quelque chose de positif en moi. Et surtout, j'ai oublié de dire, les études montrent que éprouver de la gratitude et de la reconnaissance permettent d'avoir 7 années de vie en plus pour certaines personnes. Le reward system, ce qui permet de la régénération des cellules. C'est exactement ça. Comme j'ai un organe, une pensée positive, mes organes vont dans cette pensée positive, les cellules, l'énergie que j'ai est en pensée positive et je parle de façon positive, j'attire le positif et du coup si j'attire le positif, ça devient un cercle vertueux pour moi. Et du coup le fait d'être en gratitude, ça m'aide à traverser les moments difficiles qui se présentent aujourd'hui, parce que rien n'est rose et rien n'est facile, mais en agissant avec gratitude, je me fais du bien et je fais du bien aux autres. Et puis maintenant je suis aussi un peu dans la phase de regarder, d'observer, d'être plus attentive à ce qui est autour de moi. J'ai même été jusqu'à avoir une idée, alors que j'ai trouvé sur internet, c'est pas moi qui ai la maternité de cette idée, d'avoir près de mon lit un bocal de gratitude, dans lequel chaque soir, je mets tout ce qui m'est arrivé de positif dans la journée. J'essaie de faire cet effort-là. Et à la fin de l'année, j'ai décidé de prendre un peu tous ces petits papiers que je mets et de me dire « Waouh, j'ai vécu ça à telle date ». Et j'ai oublié ça, non ? J'ai vécu ça à telle date, j'ai déjà oublié ça, mais oh, ça fait du bien de se remémorer ces choses-là. Et donc du coup, je suis plus authentique, je suis plus moi. Je m'aime plus, pas dans le sens « je suis merveilleuse », non, mais plutôt dans le sens « j'ai une estime correcte de moi-même ». Et ça fait du bien, au final, en vrai. Et les difficultés et les craintes sont toujours là. Elles n'ont pas disparu. Je n'ai pas réussi à changer le monde qui est autour de moi. Pas encore. Mais moi, mon regard a changé sur le monde qui m'entoure. Et ça, c'est déjà le miracle que Dieu a accompli dans ma vie. Eh bien, sur ce, que dire ? Merci Sonia pour ce moment. Mais merci de m'avoir donné l'opportunité, le privilège d'échanger, de partager ça, parce que je trouve que beaucoup de personnes, si elles essayaient la gratitude, elles en sortiraient grandies. Okay. En conclusion, je vous dirais, la gratitude, quel cadeau! Il semblerait que ce soit un cadeau qu'il va falloir muscler. Donc, est-ce que vous vous décidez à rentrer dans le bonheur? Si c'est le cas, venez avec moi et entrons dans le sanctuaire.